CRMPR Les Herbiers, on a une unité d'éveil de coma. Donc, ces patients viennent dans notre unité pour une durée qui est assez longue, en règle générale de 6 mois à 1 an, pour avoir de la rééducation, de la réadaptation, et les familles sont accompagnées par l'ensemble des professionnels. Et on va co-construire le projet de vie du patient. Donc c'est un travail de longue haleine, on a un accompagnement et des outils qui nous servent énormément, des outils que sont la systémique, l'analyse des pratiques des familles, et puis évidemment tout le champ de la MPR qui nous aide. L'avenir des patients, il est vraiment au domicile. Mais vous comprenez que la situation de handicap extrême, ce qui signifie que le patient est dépendant pour tous les gestes de la vie quotidienne, nécessite un appui fort de structures spécialisées dans le champ du handicap, ce qui implique qu'on ait des outils qui soient à la disposition du patient. Le premier outil qu'on va mettre en place, c'est vraiment une équipe mobile pour aller voir le domicile des patients et pour apprécier comment va se construire le retour à domicile. Une autre structure qui est importante, ça va être le SAMSA, qui va avoir un rôle de coordination entre les différents soins. Parce que ces patients, il va falloir assurer un soin quotidien, il va falloir assurer un suivi rééducatif, il va falloir assurer un suivi médical et remettre le patient dans une coordination de soins. L'autre outil qu'on essaye de développer en partenariat avec le CHU de Rouen pour consolider le retour dans la cité, c'est l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et particulièrement en situation de handicap grave. Et ça, c'est un partenariat CRMPR Les Herbiers et le CHU de Rouen qu'on a appelé HandiConsult, qui permet d'ouvrir des plages de consultation dédiées aux personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, c'est possible pour des disciplines pour lesquelles les personnes en situation de handicap n'avaient pas accès. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est un beau partenariat. En fait, il faut compenser avec des épaisseurs. Donc là, il y a une gaine fine et après, ça peut être un bonnet. Donc, vous vous souvenez comment il faut faire pour retirer la prothèse? C'est mieux? Allez, poussez, 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 poussez. Surtout, pensez bien. Bien vous redresser, bien avancer le bassin et bien regarder droit devant vous. Depuis, on va dire, 2-3 ans, il y a un intérêt grandissant sur le développement d'innovation. On a toujours été très attentif, mais on a une projection aussi bien dans le domaine de la recherche. Et ça, ça a toujours été le cas avec nos liens avec le CHU, dont nous sommes partenaires de longue date. Également sur nos organisations, et ces dernières années, nos organisations ont été pas mal chamboulées, pas mal revues, et nous a amené à nous innover dans nos pratiques. Sur l'avènement de nouvelles professions qui vont permettre une meilleure organisation de la rééducation. On a également mis en place un programme un peu différent, une équipe mobile qu'on a appelée d'amont une équipe mobile de rééducation. On a des médecins rééducateurs du centre qui sont allés et vont encore dans les unités Covid pour aider à la prise en charge rééducative précoce, à l'orientation, éventuellement à une prise en charge en centre pour les patients les plus gravement atteints. Et c'est un dispositif qu'on souhaite pouvoir développer même pour les autres pathologies. L'innovation, c'est aussi le matériel. On est le seul centre en France, je crois, à avoir un cheval mécanique qui nous permet une approche très différente et très ludique dans certaines pathologies, dans certaines prises en charge. Yeah.
On a également l'orientation d'acquisition de matériel de rééducation un peu innovant dans le cadre de la réalité virtuelle qui va permettre une approche différente, également plus ludique, plus rassurante dans le domaine de la douleur, dans le domaine de la rééducation physique et probablement aussi dans le domaine de la rééducation cognitive. On a un éventail à la fois de moyens de rééducation, de pratiques et d'outils qui nous permettent d'être assez diversifiés dans nos pratiques. On a une culture aussi de la consultation multidisciplinaire dans différents domaines qui nous permettent d'avoir des avis croisés sur des situations complexes et qui font avancer plus rapidement les prises en charge et les décisions thérapeutiques. Le principe de l'établissement, c'est la rééducation, la réadaptation et la réinsertion. Et dans réinsertion, on entend réinsertion sociale, mais réinsertion professionnelle, l'un n'allant pas sans l'autre. La démarche précoce d'insertion est une méthode labellisée par la Haute Autorité de Santé qui émane de l'association Comet, qui a un regard croisé santé-travail pour toutes les personnes qui sont hospitalisées. Cette équipe, composée de 7 personnes, donc a pour vocation d'accompagner les patients dès l'hospitalisation pour concrétiser un projet professionnel dès leur début. Cet accompagnement en fait se fait en 4 phases. La première phase est une phase d'accueil, recueille la demande de la personne. La seconde phase, c'est une phase d'évaluation du projet professionnel et la mise en place des aménagements et des solutions. La troisième phase est la phase de concrétisation du projet. La quatrième phase est une phase de suivi des patients 2 ans après la sortie de l'établissement. Cette mise en situation nous a donné de très bons résultats parce qu'elles nous permettent vraiment de concrétiser le retour à l'emploi. Pour la personne, ça la rassure et pour l'employeur, ça leur rassure également de reprendre son employé ou de reprendre un nouveau salarié. Et tout en connaissant à la fois sa problématique de santé et sa capacité à reprendre le travail. L'établissement dispose depuis peu d'un véhicule complètement aménagé pour lequel nous faisons une évaluation de la conduite automobile et nous conduisons, si je puis dire, la personne jusqu'à la régularisation de son permis. L'activité physique peut apporter dans la prise en charge des patients premièrement un aspect ludique avec l'activité physique adaptée, mais également travailler des objectifs précis, tant sur le plan de la précision que l'équilibre, que l'adresse, et avoir un aspect de travail plus global et fonctionnel sur le renforcement musculaire, la proprioception, l'équilibre, l'endurance. L'activité physique a fait ses preuves tant dans la prévention primaire que secondaire que tertiaire, et donc identifié comme l'axe majeur de prise en charge en termes de gains de capacité physique pour optimiser l'espérance de vie et la baisse du risque cardiovasculaire des patients. Donc notre travail au sein de la prise en charge va être d'intégrer dans le nouveau projet de vie du patient une activité physique et de travailler à la pérennisation de cette activité au-delà de leur séjour au centre de rééducation. Pour travailler à la pérennisation de l'activité au-delà de leur prise en charge initiale au centre de rééducation, nous nous appuyons sur les structures Maison Sport Santé qui ont vu le jour récemment, les différentes associations qui se labellisent dans le sport santé et dans le sport handicap, et également l'UGCAM qui a une convention avec la Fédération française handisport. L'objectif de collaboration entre ces deux structures, c'est vraiment d'initier très tôt dans la prise en charge la pratique d'une activité, de faire découvrir un maximum d'activités et d'accompagner le patient vers les associations pour qu'il puisse oser et qu'il se sente à même de pratiquer en toute sécurité et avec beaucoup de plaisir.